Dieu, viens comme un fruit du monde des ténèbres. Il faut que tu te débattisses de ça. Il faut que tu te débarrasses de cela. Puis, confesse-le. Ne laisse rien. Confesse-le. Et là, comme une vérité, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu n'es pas venu ici à cause de quelqu'un. Non. Tu n'es pas venu ici pour faire plaisir à un voisin ou à une voisine. Non. Si tu es venu ici ce matin, le hasard n'existe pas. Écoute-moi bien. Si tu es venu ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Si tu es venu ici ce matin, c'est parce que le Seigneur t'a confié. Les liens de malédiction qui pèsent sur votre vie. Quand tu regardes dans la famille, la même situation que tu vis, ta maman a vécu la même chose. Quand tu regardes ta vie, la même situation dans laquelle tu es, ton papa a vécu exactement la même chose. De même que Isaac a vécu la même tribulation que son père Abraham. Écoute-moi bien, tu as la possibilité aujourd'hui devant l'Éternel de pouvoir sortir de ce trou. Tu as la possibilité aujourd'hui devant Jésus-Christ de sortir de cette mort. Il te faut une seule chose. Libère ton cœur sincèrement. Je t'en supplie. Il faut que tu sois sincère. Tant que tu n'es pas sincère et touché dans ton cœur, tant que tu n'es pas sincère et touché au plus profond de ton cœur, tu n'as pas encore touché Jésus. Il faut que au-dedans de toi-même, tu sens que tu es touché. Tu sens que toi-même, tu es touché. Alléluia. Il faut que aujourd'hui tu passes à une autre phase. Vérité. Tu ne peux plus rester toujours à la même place. Tu ne peux plus rester toujours à la même place. Vérité. Les années se passent. Les années passent. Les années passent. Les années se ressemblent. Pourquoi? 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 Tu es toujours à la même place. Pourquoi tu fais toujours la même chose et tu espères avoir un résultat contraire? Pourquoi tu fais toujours les mêmes choses? Chaque année, tu as la même vie, tu as les mêmes habitudes et tu veux avoir une grâce, une bénédiction de Dieu. Il faut que tu sortes de ce mauvais confort. Vérité. Il faut que tu sortes de ce confort. Tu vas choisir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je sais que tu aimes les cœurs contrits. Tu aimes les cœurs brisés. Ce matin, je suis en train de briser mon cœur devant toi. Je suis en train de briser mon cœur devant toi. Je suis en train de briser mon cœur devant toi. Il n'y a rien dans ma vie que je peux te cacher. Il n'y a rien dans ma vie que j'ai envie de cacher. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette souffrance. Je suis fatigué. Je suis fatigué de tourner toujours en rond. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vis toujours ce blocage. Mais Dieu, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Là où je suis présentement. Là où je suis présentement. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu me vois. Je sais que tu me vois. Ne détruis pas ta face. Ne détruis pas ta face. Seigneur, je ne fais pas exprès. Seigneur, je ne fais pas exprès. Je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Je suis sincère. Je suis sincère. Ce que je vis. Ce que je vis. Que je t'ai expliqué. Oh Dieu, je ne fais pas semblant. C'est dur pour moi. C'est vraiment dur pour moi. Je veux mettre toute ma confiance en toi. Souvent, je ne fais de bonnes choses. Mais je ne sais pas comment faire. Et même quand je veux faire de bonnes choses, je me trompe, je fais des choses mauvaises. Seigneur, mon cœur est devenu dur. Pour que mon cœur s'ouvre. Pour que mon cœur s'ouvre. Mon cœur a des problèmes pour s'ouvrir. À cause du poids de la vie. À cause de tout ce que j'ai subi. À cause de toutes ces souffrances que j'ai subies. À cause de mes mauvaises décisions. Mes mauvais choix. Mon cœur s'est endurci. Mon cœur s'est endurci. Ce matin, je vais offrir ce cœur. Ce matin, je vais offrir ce cœur. Ce matin, je vais offrir ce cœur. Je ne veux plus rien garder. Je ne veux plus rien garder.
que ce soit sensible. À la présence de ton esprit. Que mon cœur soit sensible. À la présence de ton esprit. Que mon cœur doit souffrir. Mon cœur doit souffrir. Oh Seigneur, j'ai toujours lutté avec ce cœur. Mon cœur s'est enfermé. Mon cœur s'est empêché. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Ne touche pas mon cœur. Ne touche pas mon cœur. Libère 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 mon cœur. Gardez toutes ces choses. Seigneur, je ne veux plus. Gardez toutes ces choses. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Il a dit la question de ton cœur. Je ne veux plus. Il a dit la question de ton cœur. Je ne veux plus. Il a dit la question de ton cœur. 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 Ce matin, je vois un changement qui a commencé. Je vois un changement que tu as commencé à oser l'espérance. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie maintenant. Tu m'as dit Jésus-Christ. Ton sang a coulé à la croix pour moi. Ton sang. Et ton sang continue de couler jusqu'à aujourd'hui. Ton sang continue de couler jusqu'à aujourd'hui. Et tu m'as donné le consolateur. Tu m'as donné le consolateur. Qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Et présentement, il est au milieu de nous. Présentement, il est au milieu de nous. Depuis la Pentecôte. Depuis la Pentecôte. Lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres. Lorsque le Saint-Esprit est descendu. Il est resté sur cette terre. Il est resté sur cette terre. Et présentement, je sais qu'il est là. Présentement, je sais qu'il est au milieu de chaque face à moi. Le Saint-Esprit est ici. Je sais que le Saint-Esprit est ici. Je sais que le Saint-Esprit est là. Je sais que tu es là. Mais je t'en supplie, Père. Lave mon âme avec ton sang précieux. Lave mon esprit avec ton sang précieux. Lave mes entrailles avec ton sang précieux. Lave ma chair. Avec ton sang précieux. Libère mon esprit. De ce poids, toutes les mauvaises pensées, qui étaient à moi, ton sang descend pour enlever les mauvaises pensées, pour retirer tout ce qui est impur, qui est caché dans ma mémoire, tout ce qui est intime, qui est caché dans ma mémoire, la nudité des gens que j'ai vus, qui est caché dans ma mémoire. Et tout ce qui est du monde est depuis les images, depuis les couleurs, depuis les sons, qui sont dans ma mémoire, comme ton sang coule en moi, que ton sang détruit cette base, que ton sang détruit cette base, qui est caché dans ma mémoire, que ton sang détruit cette base, ce meilleur fondement, qui est caché dans mes pensées, mon cœur, qui est caché dans mes entrailles. Jésus, si tu me vois pleurer, c'est parce que je ne veux pas rater ma vie. Seigneur, si tu me vois crier, c'est parce que je ne veux pas rater ma repentance. Seigneur, si tu me vois pleurer, parce que je ne veux pas rater ma repentance. Dieu, si tu me vois prier, pourquoi je ne veux pas rater. Je t'en supplie. Tu peux faire quelque chose maintenant. Seigneur, tu peux faire quelque chose maintenant. Tu peux accomplir une chose qui le fait. Tu peux accorder une option qui le fait. Tu peux déposer une option qui le fait. Tu peux déposer une option qui le fait. Tu peux déposer une option qui le fait. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je viens te recevoir ce matin. Je viens pour te recevoir ce matin. Maintenant que j'ai mis mes mains en signe de recevoir, Saint-Esprit de Dieu, partout où tu es dans cette salle, descends sur moi. Saint-Esprit de Dieu, descends. Partout où tu es dans cette salle, viens maintenant à moi. Saint-Esprit de Dieu, partout où tu es dans ce lieu, descends maintenant sur moi. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant à moi. Saint-Esprit de Dieu, viens à moi avec la puissance. Saint-Esprit de Dieu,
Descends dans ta puissance. Regarde ce qui va se passer. Descends comme un feu. C'est un esprit. Descends comme un feu. Regarde ce qui a commencé à se passer. Descends comme un feu. Je te dis la vérité. Descends comme un feu. Ton esprit sera envahi au plus profond de ton âme. Au plus profond de ton âme. Oui. Le Saint-Esprit de Dieu esprit. Qui est ton conseiller. Qui est venu pour te conduire. Qui est venu pour t'apporter la repentance et la vie. Sa puissance. Et son conseil, regarde au plus profond de toi. Je vois, il a déjà commencé. Il a respecté. Reste là où tu es. Il y a sur cette dessous. L'Esprit de Dieu a commencé à opérer toutes choses. Je vois une libération. Reste là. Cette relouche. Un fort esprit de distraction. Ah bien aimé. Touche. Sois disposition. Aide-la. L'esprit de puissance et le feu. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Reste là où tu es. Au nom de Jésus. Regarde-moi. Écoute-moi bien. Il y a un fort esprit de distraction. Maintenant, qui te dérange? Ézéchiel, s'il te plaît. Il y a un fort esprit de distraction qui te dérange. Écoute-moi bien. L'esprit de sorcellerie qui est en train de trotter autour de toi. Cet esprit est attaché à toi de fort longtemps. Et il t'empêche d'entrer dans tes grâces, dans ta vie. Et cet esprit a toujours détruit même les bénédictions que Dieu a mis sur ta route. Je vois cette colère qui vient chaque fois et qui te pousse à prendre de mauvaises décisions. Mais regarde, aussi vrai que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te confirmer qu'il vient à toi maintenant. Pendant que tu gardes tes yeux fermés et que tu mets tes mains en signe de recevoir. Regarde ce qui va se passer tout de suite. Car elle a mis ses mains en signe de recevoir. Pendant que tu gardes tes mains en signe de recevoir, je veux vraiment que tu sois distrait. L'Esprit de Dieu est en train de venir à chacun d'entre vous. Écoute, ce moment, il est personnel. Et ça a déjà commencé. Il y a une folle onction qui va se lier. Celle-ci, aujourd'hui, elle a eu raison de venir ici. Mets-toi derrière elle. Mets-toi derrière elle. Mets-toi derrière elle. Reste là derrière elle. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu va puissamment te visiter. Va puissamment te visiter. Ce sera sur chacun d'entre vous. Oui, ça sera sur chacun d'entre vous. Des langues de feu, vous serez donnés. Sabre,
Thank you.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
petit jour. Aujourd'hui, je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je suis un peu plus de temps.
Il est
Thank you.
Le Saint-Esprit de Dieu qui vient et qui vient pour donner parce que c'est un tout gratuit pour vous. Alléluia. Le Saint-Esprit descend dans n'importe quel corps qu'il veut. Le Saint-Esprit a utilisé un âne qui est un animal. Et l'âne a parlé une langue intelligible au prophète Balaam. Le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas parce que ton corps est trop saint. Le Saint-Esprit ne vient pas parce qu'il n'y a pas de péché en toi. Non. Le Saint-Esprit de Dieu est une promesse de Jésus-Christ. Il a dit, il est bon pour vous que je m'en aille afin que vous recevez le consolateur, l'esprit de vérité, que vous le recevez, une puissance descendra sur vous. Au moment où je suis en train de le dire, moi-même je commence à être traversé par cette onction. Au moment où je suis en train de le dire, moi-même je suis en train d'être traversé par cette onction. Et pendant que cette onction est en train de descendre sur moi, c'est en train de descendre sur plusieurs, le Seigneur va déposer pour toi une onction fraîche. Et voilà pourquoi je l'ai appelé. C'est une onction fraîche. Il y a un autre niveau dans lequel le Saint-Esprit veut t'utiliser et te conduire. Mais ce niveau où il t'envoie, s'il ne dépose pas cette onction fraîche et nouvelle en toi, il aura des difficultés. C'est pourquoi il vient faciliter ton chemin. Père, elle a décidé et tu l'as connue. Maintenant, tu peux relâcher la main. Cette personne fraîche, elle va voir les choses qui ne sont même pas encore arrivées. Les choses qui ne sont même pas encore dites. Elle va voir par une option particulière. Dès que tu l'as proposé, on peut faire une Michel pour qu'elle fasse partie du conseil de Dieu. Elle aussi. Salut.
Thank you.
Salut, tu as payé à la croix. Oh, salut. À la croix, tu as payé. À la croix. Tu m'as
Je suis consolé. Tout le monde dit, tu me vois. Il faut vivre
confesse le monde. Qui va se libérer, ça sera une assemblée remplie d'amour.
une assemblée qui appelle les assemblées éternelles. Je suis. Sortez, mettez-vous dans un grand cercle. Alléluia. Sortez, mettez-vous dans un grand cercle. De toi, je suis. L'esprit d'amour qui est dans une église. L'esprit d'amour qui vient dans son Christ. L'esprit d'amour qui appelle la présence du Saint-Esprit. L'esprit d'amour qui appelle la présence du Saint-Esprit. Pendant que tu seras en train de t'adorer, cette onction d'amour va changer tout en toi. Tu seras inondé par l'amour. Tu seras inondé par l'amour. Je suis. Ma gloire. Tu vas prendre ce côté de la vie. Jésus. Jésus fait la vie. Alléluia. Au moment où tu prends la main de ton frère, il y a le moment où le Seigneur t'a donné son premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as raté plusieurs opportunités. Jésus fait d'aimer ton prochain comme toi-même. Et regarde, focalise maintenant tout ton cœur sur Jésus-Christ. Tu vas voir cette notion d'amour qui te manque, la faiblesse d'amour qui te manque. Dans l'assemblée, je sais, tu vas commencer à être comblé. Alléluia. Allons-y. Jésus fait des miracles. Tout le monde. Jésus fait des miracles. Jésus fait. Maintenant que tu as les yeux fermés. Nous appelons la présence du Saint-Esprit afin de charger d'amour de ce lieu de faire maintenant une œuvre d'amour. Que son amour soit relâché, l'amour de Jésus-Christ soit relâché dans ton cœur, l'amour de Dieu vivant. Jésus, tu vas recevoir cette onction d'amour. Tu vas recevoir cette onction d'amour. Ton cœur sera touché par Jésus-Christ. Tu seras consolé.
consolé. Tu seras consolé. Oui, tu es dans le train de l'éternel. Oui, tu es dans la reine de l'éternel.
esprit que toi aussi tu es enfant d'Abraham. Aujourd'hui, regarde l'amour que le Seigneur Jésus te donne. Regarde l'amour que le Seigneur Jésus te partage. Parce que lui n'est plus là. Tu cherchais cet amour. Et aujourd'hui, Jésus-Christ lui-même, il te prend de ses bras. Ne dois jamais perdre cet amour. Chaque cet amour exprès. Parce que cet amour ne te périt jamais. Parce que cet amour a l'image du Dieu souvent. Aujourd'hui, tu reçois de son amour. Tu reçois de son amour. Tu reçois de sa puissance. Tu reçois de sa puissance. Oui, toi tu es dans ma vie. Toi tu t'es baptisé. Toi tu t'es soucié. Toi tu as besoin d'une famille. Aujourd'hui, le Seigneur dans cette famille. Aujourd'hui, le Seigneur est dans cette famille. Aujourd'hui, le Seigneur est dans cette famille. Aujourd'hui, le Seigneur est dans cette famille. Tu reçois la famille à Christ. 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 Tu reçois la famille. Vise cet amour. Cet amour va changer. Lorsque tu courras dans ce monde, lorsque tu marcheras dans ce pas, lorsque tu marcheras dans ce pas, prends l'amour. Prends l'amour. Prends l'amour. Prends l'amour. Tu ne reçois pas. J'ai pas besoin de ça, j'ai mis. J'ai pas besoin de ça, j'ai mis.
Le monde est déchiré. 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 Le monde est déchi
monde peut t'abandonner, le monde peut t'injurer, le monde peut te rejeter, le monde, lui ne peut pas, lui ne Voici la fin de ta souffrance. Alors que tu serais en train de chanter cette adoration, nous allons te louer. Tu rejoins ta place. Tu rejoins ta place. Et tu te connectes à travers ce cantique. Tu rejoins ta place et tu te connectes à travers ce cantique. Oui, tu montes tout. Tu montes tout. Parce que c'est la fin. Oh,
Si la femme de mes enfants
Ici, un baptême qui est certifié par le ciel, un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, si tu manges le corps du Seigneur de façon indigne, c'est un jugement que tu prendras contre ton âme. Si tu manges le corps du Seigneur Jésus-Christ, en regardant aux autres, en cherchant à plaire aux autres, bien-aimé de Dieu, c'est un jugement que tu vas attirer sur toi. Et ce jugement peut entraîner la mort. Donc si tu es une nouvelle personne, tu n'as pas refait ton baptême, bien-aimé de Dieu, ce sera bon pour toi de ne pas prendre le repas du Seigneur. Et toi qui as mangé le corps du Seigneur, commence à prier le Seigneur. Demande au Seigneur que à l'instant que tu as pris sa nourriture, que ton âme, ton esprit s'unisse à lui. Que vous devenez un même esprit. Que vous devenez un même âme, toi et le Seigneur. Car tu as mangé de son corps. Il est venu, commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Parce qu'il concerne son royaume. Demande au Seigneur de te sanctifier encore davantage. Et la vie est de que celui qui essaie de se sanctifier encore. Que celui qui essaie de se sanctifier encore. Bien-aimé de Dieu, t'as ton bébé son nez aujourd'hui. T'as ton bébé son nez demain. Commence à demander au Seigneur la sainteté sans laquelle tu ne pourras pas le voir. Commence à demander au Seigneur la sanctification sans laquelle tu ne pourras pas entrer dans son royaume. Bien-aimé de Dieu, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.
souffre d'une maladie quelconque, le corps du Seigneur se sent soumis largement pour te restaurer. Son corps soumis largement pour te guérir. Demande au Seigneur de renouveler son alliance avec toi. Demande au Seigneur de t'amener dans la sainteté. Demande au Seigneur de t'amener dans la profondeur de sa sainteté. Annonce que tu as vu. Sainte. Seigneur, tu le connais. Tu connais nos faiblesses et nos manquements. Tu connais notre vive désir, celui de un jour entrer dans ton royaume. Seigneur, c'est vrai que nous sommes sur le chemin de toi, mais toi qui nous connais mieux, maintiens-nous sur ce chemin. Envoie ta personne de sort de ce chemin. Maintiens-nous sur ce chemin, Seigneur. Et que nous arrivons à bon port. Destination du royaume. Nous sommes embarqués dans une barque qui est la Sainte-Marie. Et dans cette barque, c'est toi qui vas les capturer. Dans cette barque, c'est toi qui vas nous amener à l'arrestation, Jésus. Seigneur, ne pas écouter. La grosse gueule de la gueule. Ne pas écouter. Seigneur, tu vas nous amener à l'arrestation, Jésus. Seigneur, tu vas nous amener à l'arrestation. Et que vous êtes devenus comme ces petits enfants. Seigneur, notre désir, c'est d'entrer dans ton royaume. Donne-nous le cœur des enfants. Donne-nous le cœur des petits enfants. Appelle-nous pour chanter. Merci, Seigneur. Que l'on donne la gloire à tous les chrétiens. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bravo, Seigneur Jésus. Bien-aimé Dieu, est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ce moment qu'il a, il t'a permis de prendre son sang et de manger sa chair? Dis merci à Jésus. Ce n'est pas permis à tout le monde, mais c'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Prie l'Éternel, dis-lui merci. Il n'est pas permis à n'importe qui de manger son corps et de boire de son sang. Bien-aimé, prie le Seigneur, dis-lui merci. Alléluia. Cependant, tu vas préparer ton offrande, ta dîme et ton action de grâce. Bien-aimé de Dieu, quand on lit Proverbe, Proverbe nous dit que honore l'Éternel avec tes biens. Alléluia. Et quand nous revenons dans Malachie, il est dit que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. S'il y a dîme, c'est qu'il y a offrande. S'il y a offrande, c'est qu'il y a action de grâce. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dit Dieu. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, si vous verrez, je vous passe sur vous les églises des cieux. Et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Tu vas commencer à prier sur ton offrande, sur ta dîme et sur ton action de grâce. Demande au Seigneur de sanctifier ta dîme afin que ta dîme soit agréée. Demande au Seigneur de sanctifier ton offrande et ton action de grâce pour que cela soit un parfum de bonne odeur.
devant lui. Prie l'Éternel. Demande au Seigneur de sanctifier ce que tu vas apporter ici. Cependant, si les chants peuvent le conduire dans ces cantiques, bien-aimé de Dieu, ne vient pas donner à Dieu avec un cœur serré. Et même la Bible déclare que lorsque tu fais une offrande, tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère. C'est-à-dire ton offrande, il faut laisser. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alléluia. Tu vas donner à Dieu. Ne donne pas à Dieu par contrainte. Mais donne à Dieu parce qu'il est ton père. Donne à Dieu parce que c'est lui qui t'a donné. Bien-aimé de Dieu, ceux qui sont couchés dans les cimetières, ils ne pourront pas se réveiller pour venir donner à Dieu. Ils sont déjà morts. Mais si toi tu vis, c'est une grâce. Donc viens donner à Dieu avec un cœur rempli de joie. Viens donner à Dieu avec un cœur rempli d'allégresse. Les chants. Donne à Dieu avec des pas de danse. Seigneur grand Dieu, grand roi, nous voulons te dire merci. Père éternel, aujourd'hui, tes enfants ont honoré ta parole. Ils ont porté dans ta maison leur dîme, leur offrande et leur action de grâce. Seigneur, te prie, éternel de gloire, là où elles ont enlevé. Toute personne qui a enlevé, Seigneur, que tu les bénis au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce soit sur les vies. Localise les familles et les enfants au nom de Jésus-Christ. Père éternel, là où le dévoreur, là où l'ennemi veut semer des cisanies dans leurs finances, Père, aujourd'hui, par cette Pentecôte, Père, tu menaces le dévoreur, tu menaces tout agent ténébreux, tout même moi qui contrôle leurs finances, aujourd'hui, sois paralysé au nom de Jésus. Afin que ta lumière, ta gloire soit reflétée au monde par eux, par leur témoignage au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ta grâce, ta faveur soit sur
et au nom de Jésus. Et sanctifie tous ces offrandes par ton sang au nom de Jésus-Christ. Et j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui a un témoignage? Alléluia. Tu as un témoignage. Tu veux exprimer ta gratitude. Tu veux exprimer ta reconnaissance au Seigneur. Est-ce que tu es là? Si tu es là, bien-aimé de Dieu, viens, tu vas témoigner. Viens témoigner. Alléluia. Si quelqu'un témoignage. Alléluia. Bien-aimé, il faut rendre ton témoignage. Que si le Seigneur fait quelque chose pour toi, amen, il faut rendre ton témoignage. Bien. Quand tu rends le témoignage, tu mets la honte sur le tien. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes ici, ils se disent qu'ils ne vont jamais rendre témoignage. Alléluia. Et la honte, c'est un esprit. Déjà, il faut commencer à le chasser. Amen. 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 Témoignage. Amen. Shalom, shalom. Avant de bénir le Seigneur, je vais donner une cantique. Oui, je sais. Frère Jean. Qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus tombe, tu vois tes gloires que tous les quatre vents. Et t'aimes remonter. Oui, je sais. Oui, je sais. Il est fils de mon Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus tombé, tu vois tes plans, que tous les quatre vents éternels répondent. Dis-le nous, que tu te souviendras de nous. Dis-le nous, que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous, dis-le nous, éternel des armées, dis-le nous, que tu te souviendras de nous, dis-le nous, que tu te souviendras de nous, dis-le nous, que tu te souviendras de nous. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Ce matin, je veux dire merci à Jésus pour la faveur qu'il m'est faite. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être en famille, d'être aimé. Parce que si je veux parler de là où je suis quittée, vraiment, ce n'est pas maintenant qu'on va quitter ici. Mais je veux juste dire merci à Jésus pour l'amour qu'il m'a donné. Parce que depuis longtemps, il y a l'amertume. Je sens le rejet, je sens l'abandon, je sens l'oubli. Mais le Seigneur m'a consolé, m'a fortifié. Il a donné vie à mon âme. Je bénis le Seigneur Jésus pour l'amour qu'il m'a donné. Je lui dis merci. Amen. Merci, Charles. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a encore un témoignage? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi en ce jour. Vraiment, il m'a fait du bien, il m'a visité, je ne lui ai pas demandé, je ne mérite pas sa grâce, c'est le plus sur ma vie. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Tout ce qui m'a apporté. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore une personne dans la salle qui a un témoignage? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a un témoignage?
particulier. On dit, venez rendre témoignage. Vous êtes assis. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 2, verset 8. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est-à-dire si l'on ne témoigne pas, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est l'aurore là, c'est la lumière. Donc en quelque sorte, le témoignage apporte la lumière. Le témoignage pousse les gens à croire. J'étais prostitué. Aujourd'hui, le Seigneur m'a transformé. Quand celle qui est dans la prostitution, quand elle voit, elle dit, elle a encore de l'espoir de venir au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je voudrais rendre grâce au Seigneur et lui dire merci. Parce que si je vis aujourd'hui, c'est par sa pure grâce. Je ne mérite pas. Bien aimé, il faut dire que je n'ai pas eu vraiment une vie facile. Voilà, à tout je suis passée, il faut dire que ça a été un peu difficile, un peu compliqué. J'étais chez une femme à propos, c'est chez elle que je suis restée pendant l'école. Et tellement la femme me maltraitait, j'ai fui et je suis allée au village. Il faut dire que l'aînée de la famille, elle était féticheuse. Voilà, elle était féticheuse et c'est chez elle que je suis partie. Et quand je suis partie, je suis restée avec elle quelques années. Et il faut dire que connaissant pas le Seigneur aussi, voilà, des adorations. En tout cas, j'ai participé. J'ai participé puisque je n'ai pas vu connu ma mère. Donc, c'est avec elle que j'étais. Et lorsque ma mère est venue, c'est là que ma mère m'a envoyé à l'église. Alléluia. Et lorsque je suis venue à Abidjan chez mon oncle, bien-aimée, cette dernière-là, elle est décédée en 2011-2012, si je ne me trompe pas. Et bien-aimée n'a pas obéi, voilà, à ses soi-disant génies et ils l'ont tuée. Elle n'était pas malade, elle est morte comme ça. Et dans la famille, il faut dire que ces génies-là sont en train de chercher qui va danser. Et c'est sûrement qu'ils sont tombés. Il faut dire que lorsque j'étais chez mon oncle en troisième, quand je dors dans mes songes, je la vois, elle s'habille avec ses trucs de génie, elle vient. Et c'est comme si on m'avait mis dans une chambre. Et à chaque fois qu'elle vient, elle vient et me propose. Je dis non, que moi je ne peux pas danser, moi je vais servir le Seigneur. Et quand je dis cela, ça l'énerve et elle me frappe. Et quand elle me frappe, si je me réveille, quand je me réveille, les jours qui vont suivre, je vais tomber malade. Et c'est comme ça toute ma vie. Depuis 2015 jusqu'en 2020, bien-aimé, si ce n'était pas la grâce de Dieu, en 2016, je mourrais. Et lorsqu'on m'a conduit chez mon oncle, je suis partie. Il m'a dit de ne pas mourir dans sa maison. Voilà que prendre l'ambulance ici, aller à Boaké, c'est trop cher. Que lui n'a pas l'argent pour envoyer encore au village. Que d'aller mourir au village. Et c'est comme ça, l'homme de Dieu qui me suivait, il m'a dit de ne pas partir. Que si je vais, je ne veux pas faire 3 jours. Et c'est comme ça, je dis à mon oncle, ah, vraiment, je ne peux pas partir parce que l'homme de Dieu qui me soutient en prière a dit de ne pas partir. Bien aimé, il s'est mis dans une colère noire. Mon oncle ne voulait même plus me sentir. Quand il quitte au travail, qu'il vient le voir dans la maison, bien aimé, c'est comme s'il a vu, je ne sais pas. J'étais devenue comme son rival en fait. Et s'il rentre à 15, à 16 heures, je suis dans la chambre jusqu'à demain matin. Je ne voulais pas qu'il me voie. Et c'est comme ça, dans la maladie, elle n'est pas transport aussi. Donc je suis allée travailler quelque part et j'ai eu le transport pour aller à Nibilekro, dans un camp de prière. Et je suis partie par la grâce de Dieu. Je suis revenue. Et Dieu a permis qu'en 2020, je puisse connaître la sainte doctrine. Bien aimé, malgré que j'étais vraiment dans la sainte doctrine, j'avais reçu le baptême, mais cette tante-là, je la voyais toujours dans mes songes. Je mets en prière, je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que cette dame a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle m'a confié au génie ou bien je ne sais pas? Je la vois tout le temps dans mes songes. Souvent, elle vient m'attaquer et dit, mais c'est pas moi qui t'ai tué. Pourquoi tu viens à chaque fois dans mes songes me troubler? Et vraiment, c'est, ça pesait sur moi. Je prie, je prends des moments de jeûne, je confie aux hommes de Dieu à vraiment demander qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Je ne sais pas si elle a eu à faire des choses dans le secret, non, je ne sais pas. Bien-aimé, mais par la grâce de Dieu,
lorsque je suis venue en sainteté pour le ciel. Bien-aimé, c'est pas un homme qui m'a envoyé ici, c'est le Seigneur Jésus. Parce que lorsque... Alléluia, de vous à moi là. Acclamation, ça peut tuer un moustique. Soyez sérieux, ah, on acclame Jésus. Oh bien, j'ai pas compris, c'est elle qui vous acclamer. C'est elle qui vous acclamer. Si c'est Jésus là, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Lorsque je suis allée pour mes soins, bon, tout s'est passé derrière moi, je n'étais pas vraiment au courant de beaucoup de choses. Et vraiment, moi j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas partir parce que les autres sont en train de partir. Il faudrait que toi-même tu me conduises. Et vraiment, moi je ne savais pas que le pasteur allait rester ici. Et c'est dans un songe, le Seigneur m'a montré où il est rentré, il a dit que je vais vous conduire. Et vraiment, quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était le pasteur, il dit, ah Seigneur, c'est toi qui m'as conduit en ce lieu. Vraiment, je n'ai rien à donner à ce grand Dieu. Je n'ai rien bien aimé. Si je veux rentrer dans les détails. Faut donner un cantique. Mille zouna ma femme mignon mie. Nemo si kaona ma femme mignon mie. Nemo si kaona ma femme mignon mie. Sans igole, les montagnes de ma femme mignon mieux. Sans igole. Amen. Je n'ai rien à donner à ce grand Dieu, celui-là qui m'a maintenu en vie. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Lorsque cette douleur a déclenché, bien aimé, j'ai failli être paralysée. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Vraiment. En tout cas, je traverse des épreuves, vraiment des difficultés, mais le Seigneur est toujours là, auprès de moi. Vraiment, quand je rentre en famille, je ne sais pas, souvent je demande à maman, qu'est-ce que tu as fait à tes frères et sœurs pour que vraiment on puisse nous détester. Je ne sais pas, quand je vais, quand mon homme me voit, il fait comme s'il ne me connaît pas. Vraiment, mais je rends grâce au Seigneur qui ne m'a pas abandonné, qui ne m'a pas rejeté. Et ce matin, vraiment, il m'a consolé. Et je sais que ce qu'il a commencé dans ma vie, il va l'achever. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. On va prendre une dernière personne. Elle est déjà avancée. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Vraiment, mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. En fait, faut dire, dans ces temps-ci, je traverse vraiment des difficultés. Je traverse beaucoup de choses, c'est de rentrer dans les détails, vraiment. Depuis mon dépouillement, faut dire, la famille m'a enlevé sa main sur moi. Ils se disaient que je suis devenue folle. Bon, j'enlève leur main totalement sur moi. Je suis livrée à moi-même. Pour ne pas dire, je suis livrée à Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, je pense que j'avais vraiment besoin d'amour. Parce que quand je rentre en famille, je ne reçois pas cet amour-là. Je suis rejetée par ma famille parce qu'ils se disent que je ne suis pas la même personne qu'ils ont connue. Je suis devenue bizarre, je suis devenue folle. Et tout le monde me rejetait. Et je suis livrée à moi-même et aujourd'hui, le Seigneur, Jésus m'a consolée. Je te dis amen. Alléluia. Alléluia. Léa a dit quoi? Vous avez acclamé, non? C'est à l'air que vous acclamez, ou bien c'est le Seigneur? Amen. Merci à toi. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je leur rends un témoignage pour la gloire du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur fait des choses extraordinaires. L'homme que j'avais le couple. Il y avait un bien-aimé qui m'avait appelé, qui voulait me confier quelqu'un, de prier pour la personne. La personne, c'était vraiment, il y avait les hôtels de famille qui parlaient contre la personne.
Mais l'esprit de la sorcellerie, de sa folie. Ça dit qu'ils ont tué son papa. Ils ont tué des ennemis. Ils ont tué sa maman. La sorcellerie. Dans sa reine, c'est l'héritage. Donc lui-même, ils ont voulu l'attaquer. Donc, on me le confie de prier pour lui. Et j'ai dit à bébé, il faut lui donner mon numéro. Ils ont donné son numéro, mon numéro. Il ne m'a pas appelé. Donc moi, j'attendais qu'il m'appelle, qu'il ait plus de pour lui. Mais il ne m'appelle pas. Il était sorti, j'avais fait le coup sur lui. Il ne m'a pas appelé. Bon, le soir, j'étais là. Et puis, j'ai prié de mon cœur pour lui. J'ai dit, Seigneur, partout où il est là, souviens-toi de lui. Envoie un de tes anges. Parce qu'il était gravement malade au point où il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas partir à l'hôpital. Il était couché. Donc il m'a appelé que je puisse prier pour lui qu'il va marcher. Alléluia. Donc il ne m'a pas appelé. Donc quand j'ai fini de prier comme ça, la demain soir, on m'appelle. Il dit que la dernière fois, elle dit merci à le bien-aimé qui t'a donné mon numéro. Que ah, le prophète que tu as donné ce numéro-là, il m'a appelé. Il m'a donné le passé biblique. J'ai prié pour lui. Moi, on m'appelle, il dit, moi, Ezekiel. Il n'avait pas causé à lui. Moi, mais je sais. C'est-à-dire que je n'avais pas son numéro. Mais comment ça s'est fait sur moi? J'ai prié pour lui. Alléluia. Mais c'est l'ange intercesseur qui marche avec moi. C'est lui que j'ai envoyé à la mission. Et il a accompli sa mission. Alléluia. Et là, j'ai intercessé avec moi. C'est lui que j'ai appelé. Je ne l'ai pas appelé. Mais lui, il a vu que moi, je l'appelle. Jusqu'à il a prié pour lui. Il s'est levé. Il a marché. Il a allé au travail. Il était en joie. Et imaginons, c'était qui? C'était catholique. Il croit vraiment que Jésus est Dieu. Alléluia. Bien aimé, dans ce témoignage que tu me lèves pour la gloire du Seigneur. Et il y a eu bien aimé ici qui veut parler de son témoignage, mais il y en a surtout pas à sa place. Amen. Maintenant, il y en a à sa place. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un témoignage de remercier. C'est par rapport à l'école. On avait fait notre premier concours, le premier semestre. C'était bizarre. Les cours là, c'était bizarre. Moi, je ne m'attendais même pas à voir les notes même que j'ai eues. Donc, c'était comme en semaine là, la semaine qui est terminée là, j'ai envoyé les résultats par WhatsApp. Quand j'allais dans le groupe WhatsApp, et j'ai regardé les résultats. Vraiment, les notes que moi-même j'ai vues là, quand j'ai regardé mon nom, et puis j'ai regardé le nom là, je suis sorti, je suis revenu, j'ai regardé le nom là, Donc je veux dire merci au Seigneur, un témoignage de remerciement. Vraiment, je lui dis merci, c'est qu'il a commencé. C'est ça, on a prié pour nous ici. Mais c'est pas encore terminé. Ça, c'est le premier semestre, le deuxième semestre. Je crois que le Seigneur a fait. Amen. Je veux les dire merci. Alléluia. Je suis à multiplier ses prénoms. Alléluia. Donc le Seigneur a multiplié ses notes. Lève-toi et clame le Seigneur. Il va aussi le faire. Alléluia. C'est que je dis, c'est la vérité. Assois-toi. Pendant que tu acclames pour elle, si ton peuple qui compose le BPC, le baccalauréat, Aïssek, le Seigneur va multiplier par 3. Alléluia. C'est la vérité. Qu'elles sont bénies abondamment. Amen. Alors, nous allons passer
Alléluia. Voilà, nous allons passer une belle personne. Tu sais que c'est la première fois d'être parmi nous. Tu vas te démettre des mots. Et tu vas faire ta connaissance. Alléluia. Maman, tu nous donnes ton nom, tu t'as invité, tu as apprécié le culte, tu veux prier avec nous. Dame de Dieu, tu veux le venir s'il vous plaît. Venez, maman, à l'autre. Shalom, shalom. Shalom, maman. Mon nom, au lieu de la femme, c'est Tamita. Avant, il y a eu un peu. Oui. Déménagement là-bas, je ne sais pas, je suis parti pour le faire. J'y vais. Il y a deux dames qui m'ont trouvé. Il y a des gens qui sont partis, ils sont déménagés. Donc, où ils sont partis, ils sont allés se couper avant. Et les gens qui m'ont dit, prier. Toi, maintenant, il dit pas ça. T'as déjà été prié, il a appelé Jésus, il dit qu'il est venu qui est. Amen. 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 Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est aussi notre soeur. Amen. On est quittés ensemble là-bas. Alléluia. On est quittés ensemble quelque part. Et ce matin, le Seigneur l'a invité pour bénir les églises. Alléluia. Tu es venu pour rester avec nous ou tu es venu pour répondre à l'invitation du Père Jésus? Je suis venu pour rester. Descente.
Ma soeur, tout cela, c'est pour toi seul. Alléluia. Toi, dimanche prochain, on t'attend. Tu peux être le grand de la personne. Shalom, ma soeur, comme ça tu dis. Comment tu t'appelles? Qui t'a invité? Tu es venu rester avec nous? Donne beaucoup à ta soeur. Alors, il faut dire que la soeur Sandrine, je l'ai rencontrée l'année passée quand je suis allé chez ma tante à la Lugago. Donc, je l'ai prêché la sainte doctrine. Donc, de tout ce qui se passe, elle est au courant de tout. Par le biais du téléphone, elle nous suit. Alléluia. Comme elle fait travail de ménage. Donc, les dimanches, ce n'est pas facile pour les filles de ménage de venir à l'église. Mais ce matin, le Seigneur a bien voulu qu'elle soit parmi nous. Elle est venue pour rester. Elle est venue juste pour voir l'invitation. Elle est partie quelque chose. Toi, tu dis quoi? Question. Registre de l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà.
Et nous avons tous les mercredis du mois, voilà pour ceux qui ne savent pas, nous avons un programme d'évangélisation. Alléluia. Cette semaine-là, tout le monde était plongé dans un mois de jeûne. Donc ce mercredi, il n'y aura pas d'évangélisation. Nous sommes en train de voir si le programme de mercredi, on va ramener ça au samedi. Alléluia. Mais on ne sait pas où exactement. Donc, on sera dans la prière. Là, le Seigneur va nous conduire. On va envoyer l'annonce dans le groupe. On décide en groupe, on prie tout ce que le Seigneur va inspirer. Oh mon Dieu, on va prier. Alléluia. Alléluia. On a fait une fois la voilà. Au marché Valentin. Tu connais là-bas. Tu veux aller et tu ne connais pas là-bas. C'est-à-dire tu vas aller et tu ne connais pas là-bas. Jean, il veut aller, il ne connaît pas là-bas. Alléluia. Donc ce mercredi, voilà. L'heure, vous connaissez l'heure. Alléluia. Vous voyez que c'est les mêmes personnes. Ce mercredi, voilà. Rassemblement 8 heures par là. 9 heures, le moment commence. Alléluia. Mercredi, au marché Valentin. Alléluia. Au marché Valentin. C'est pas samedi. Samedi. S'il y a un programme, on va vous le faire savoir. Mais néanmoins, il y a le programme de Kumasi qui est là. Délivrance, baptême d'eau. Donc, si tu veux passer à la délivrance, il faut prendre attache avec l'homme de Dieu, le pasteur Jacques Anouma. Alléluia. Maintenant, le jeudi, la nuit du jeudi, c'est un moment de prière. C'est une veillée de prière. Alléluia. C'est une veillée de prière. Le jeudi, nous avons une veillée de prière. Le jeudi, nous avons une veillée de prière. Ça se passe sur Zoom. Alléluia. Bienvenue de Dieu. Pour être à la veille de prière, il faut avoir la connexion et une bonne batterie pour pouvoir assister à ce moment-là. Et donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Si je n'ai rien oublié, si l'homme devait ajouter quelque chose. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Je reviens sur par rapport à l'évangélisation. Bon, c'est le programme de l'église mercredi, mais on va. Voici, ça arrange beaucoup, alléluia, parce que le Seigneur nous envoie tous d'aller annoncer sa parole. Amen. Donc il faudrait que tout le monde soit là. Alléluia. Vous avez compris, non? Ceux qui étaient là le mercredi passé, est-ce que vous n'avez pas envie d'aller repartir là-bas? Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Regardez, donc que le Seigneur a mis en vous. C'est là, c'est sur le terrain que vous voyez que déjà vous êtes rempli. Alléluia. Donc, bien aimé, ne te néglige pas. Mais on veut voir si mercredi. Bien aimé, qui sera là mercredi? Bien, on va voir si c'est pas. Bon, on va remettre ça samedi pour que les jours non ouvrants, pour que tout le monde puisse. Merci. Voilà. Samedi ou mercredi. Tu peux être là mercredi. Bon mercredi et samedi. Samedi, tu veux voir les mains à l'air. Le Seigneur te voit. Samedi. Samedi est bon. Ok, donc on remet samedi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, samedi, on veut voir tout le monde. Tu as levé ta main, tu n'as pas enlevé. Tu es présent. Alléluia. Alléluia. Salut du Seigneur. Regarde.
de ce que le Seigneur te donne, c'est gratuit. Il te protège. Il dit un jour, pour aller annoncer sa parole. Bien-aimé, est-ce que ça fait méchant? Donc, bien-aimé, si toi aussi tu sais que tu es occupé, tu peux soutenir l'œuvre de l'évangélisation et il y a des grâces. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien-aimé, ne reste pas à la maison. Donc, il faut sortir. Viens nous rejoindre pour aller annoncer le Seigneur. Alléluia. Voilà, il y a une nouvelle. Voilà. Mon bien-aimé Jean, lève-toi. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tous les dimanches là, il y a une maman ici qui a un gros ventre. Qui la connaît? Alléluia. Alléluia. Amen. Elle nous a donné un serviteur de Dieu. Amen. Le Seigneur t'a disposé de moi. Tu te lèves. Le Seigneur te livre. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Attendez, attendez. Tu n'as pas bien compris. Papa Jean, ça va m'accoucher, garçon. Amen. Si tu es content, si tu es content, ça te sauve. Regarde le Seigneur. Je tiens à te réclamer. Si tu n'as pas de sang, tu n'as pas de sang. Alléluia. Alléluia. Autrefois, quand on était dans le monde, quand on dit tu vas au bâton, quand on dit oh, alléluia. En fait, pour qui est là, quelque chose est passé, c'est à quoi tu vas donc. Qui était dans sa chambre et puis tu n'as pas entendu des cris. Alléluia. Alléluia. Amen. Un enfant est venu au monde. Un enfant nous est né. Soldat. Alléluia. Amen. Lève-toi. Et acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alors, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Quand il est venu là, il n'est pas venu à savant. Il est venu comme ça, nous. Donc, bien-aimé de Dieu, il faut commencer à changer son savon. Quand il va prendre ce laver là, et son âme va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Même si le Seigneur te met à cœur vêtement, ce que le Seigneur te met à cœur, alléluia, il faut approcher les servants de Dieu. Bien-aimé de Dieu, comme nous, on ne soit pas dans le savon parfumé. On va aller acheter un prix, je ne dis pas, je ne pas, et puis tu as acheté. Donc, si tu veux acheter un savon, maman Keta là, maman Sarah, maman Anne, alléluia, que le Seigneur bénisse sa bonne maman. Donc, voilà, à partir de dimanche prochain, c'est que le Seigneur va te mettre à cœur, il va envoyer. Amen. Que le Seigneur bénisse. Tu es Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Bonne nuit, nous avons fini. Amen. Bonne nuit, dimanche prochain. Nous avons fait des offrandes, une offrande pour le nouveau-né. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu commences à garder ton argent
pouvoir venir faire tout le fruit pour le serviteur de Dieu. Alléluia. Si c'est ça, avant tu as si c'est offrande, il faut venir donner. Alléluia. Amen, amen. Donc samedi, il y a évangélisation au marché Valentin. Alléluia, nous avons fait notre deuxième tour là-bas. Le Seigneur. Il y a des enfants du Seigneur là-bas. Donc nous allons aller les ramener dans la Belgique. Alléluia. Donc ce samedi, ça sera 9h. 9h, nous devons être sur le terrain. Amen. 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 Toi, tu veux voir la puissance du Seigneur Jésus sur le terrain. Viens. Alléluia. Amen. Alléluia. Évangélisation qu'on a fait de nos côtés, on était dans le monde, on faisait. C'est pas ça. Amen, amen. Amen. Aucune différence. Alléluia. C'est l'onction qui marque la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est l'onction qui marque la différence. Beaucoup parlent, mais non, on va se dire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, si on finit, il y a Maha et puis l'homme de Dieu qui vont faire entretien des nouvelles âmes. Voilà, c'est eux. Que, voilà, Maha et puis le prophète de lui. C'est eux qui font l'entretien. Mais après, je prends les noms. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que chacun doit connaître ce qu'il fait. Dans le peuple de Dieu, tu vas te tenir debout. On a fini. En français, c'est raté, on a fini. Alléluia. Recommande ta chemelle entre les mains du Seigneur Jésus. Voilà, commence par prier. Dis au Seigneur d'être la fin et l'oméga de ta chemelle. Que toi, ta famille, tes activités, soit sous sa garde, soit sous sa protection divine. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. Papa, nous voulons rentrer à la maison. Et le chemin encore long devant nous. La chemelle est entre corps et que ton amour, ta grâce soit avec le bout de cette semaine. Merci Père, parce que tu crois, tu l'as commission que tu l'as dit à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans ta main, si tu recevoir, et dans le Dieu, le prophète Ézéchiel, prie pour la fin. Quel mec tu vas entendre la main? Père éternel, je vais te rendre toute la gloire. Comme ta parole déclare la fin des choses de Dieu sont commencées. Père, je prie que t'aies mon Dieu, que ton peuple, qu'ils ont reçu, t'aies mon Dieu, ton esprit, qu'ils ont reçu, Seigneur, ta force, qu'ils ont reçu l'onction que tu lui as accordé. Père, je prie que ce qu'ils ont reçu soit caché là-dessus. Père, je prie. Et les dons qu'ils ont reçus aujourd'hui, et mon Dieu soit caché dans ton sang. Père, que toute voleur, que tout esprit qui va vouloir se lever contre eux soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Père, que toute personne qui va se lever contre la vie, et mon Dieu le roi, soit frappé par les pères de l'éternel. Père, je lui ai parlé de feu, une lumière de feu autour de eux. Et mon Dieu, à la sortie ici, Père, que le dimanche prochain, de nous puissions à ton nom. Bénis les semaines, bénis les lundis, bénis les mardis, bénis les mercredis, bénis les jeudis, bénis les vendredis, et bénis les samedis, que le divin prochain et chacun vienne rendre demain puissamment à ton nom. Que la gloire et l'élévation reviennent au nom de Jésus-Christ, nous l'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Restez en place, maman a joué un petit rôle là. Que le Seigneur bénisse.